s'est bien passé, ça a été un peu compliqué avec de nombreuses blessures. Et ça a été dans l'ensemble, on va dire. Je me suis fait une triple fracture du poignet le premier week-end de septembre. Et du coup, ça m'a un peu pénalisé toute la fin de saison. Alors que j'étais stagiaire avec Roubaix, du coup, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon contrat. Ouais, j'ai fait le Limousin, c'est vrai que c'était une course dure. C'est différent, ça court différemment. C'est complètement différent parce que ça roule vite en début de course. Ça a tendance à lever le pied après, ça roule vite en fin de course. Donc en amateur, je dirais que ça roule vraiment fort tout le long. Je pense qu'il y a quand même une différence, tout ce qui est kilomètres et tout, mais je pense que c'est largement faisable. Je pense que l'année d'avant a été un peu mieux. C'est vrai que cette année, je suis pas passé loin du podium au championnat de France en me faisant reprendre à 2 km. Mais l'année d'avant, avec le Grand Prix Gilbert Bousquet, c'est vrai que cette année, donc, j'ai eu mon problème à la main, j'ai eu un problème tendinite au tendon d'Achille en début de saison. Mais l'année avant, je pense, ça a été mieux. Moi et l'équipe de France, on est complètement passé à côté de nos championnats d'Europe. Donc du coup, c'est un peu général pour la fédération. Donc ouais, voilà, c'est pareil, l'année d'avant, j'avais été champion d'Europe. Cette année, pareil, Bourdouille. Donc voilà, c'est pas si bien l'année d'avant. Bah, c'est vrai que cette année, du coup, ça a été différent que des autres années normales ou des autres corps de l'équipe, parce qu'avec mon poignet, j'ai pas pu faire mes formations. Mais normalement, en fait, j'aurais dû partir du 20 octobre au 20 décembre en formation d'aide-moniteur de sport. C'est 2 mois de formation militaire, rien à voir avec le vélo, donc je touche pas le vélo pendant 2 mois. Et après, une fois fini cette formation-là, je reprends le vélo. C'est comme ça que ça se passe. Il y a quelques corps de l'équipe là, qui sont donc, du coup, sur le terrain, à la courtine. Sur le terrain, ils dorment dehors, ils font du tir, ils font du combat, rien à voir avec le vélo. Mais c'est vrai qu'après, dès que la saison est repartie, on parle que vélo, c'est vraiment... on est détaché vraiment pour faire du vélo. En vérité, on est une petite famille. On est régulièrement ensemble, on fait des grands stages ensemble, on vit à Paris souvent ensemble. Et c'est vrai que bah, les formations militaires nous rapprochent aussi. Et c'est vrai qu'on est une vraie famille, on s'est tous retrouvés cette semaine lundi et c'était super de tous se retrouver. Le projet de l'équipe est quand même de passer continental, ce qui est bien avancé normalement, qui devrait aboutir. Maintenant, c'est un choix personnel, c'est vrai qu'il a 28 ans, moi je le connais bien Yann, et il a avancé déjà dans sa carrière militaire. Donc, c'est un choix, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui ne comprendront pas. Moi, je le comprends parce que, comme il dit, à 28 ans, s'il fait que 2 ans et qu'après, il n'a plus rien derrière, ben, là, il a quand même assuré son métier derrière. Donc. Au Tour de Vendée et une 10e place à la première étape au Tour de Pékin. C'était ma première course en World Tour, donc plutôt satisfaisant. Mais du coup, il faut confirmer et progresser encore pour l'année prochaine. Bah, le schéma de course est complètement différent parce que les équipes sont plus structurées déjà avec un leader bien souvent et du coup, ça court plus pour le leader, ça protège du coup ce leader-là et puis ça met plus de temps à mettre en route et quand ça roule après dans le final faut vraiment s'accrocher. Et par contre niveau kilométrage là, il n'y avait pas trop de différence. J'avais pu faire des classes 2 donc avec quelques professionnels aussi quand j'étais au Big 2000 comme le Tour de Bretagne par exemple. Donc, après ouais, c'est surtout le schéma de course qui a changé. Au Tour de l'Ain j'étais plus j'avais pour rôle de protéger Kenny Ellison qui était là plus pour le général lui donc, après moi du coup fin de course c'était plus compliqué
mais autour de Vendée, il n'y avait pas vraiment de coureurs protégés. Donc j'ai pu prendre l'échappée qui allait au bout et faire deuxième au final. Deux néo-pros, Marc Sarro, Lorenzo Mandin. Il y a Steve Morabito qui arrive de BMC, Kevin Rezo qui arrive de Robcar. J'aurais plus le rôle d'équipier et après sur certaines courses j'aurais aussi quelques libertés. Donc moi après sur ces courses-là d'essayer de bien faire. Mais l'objectif c'est que les leaders et le staff soient satisfaits de mon travail. Donc quand je suis équipier ou quand j'ai plus ma carte après, voilà, à moi de faire le boulot. Quoi. Quand ça a beaucoup de chance d'arriver au sprint, quand on voit que la course arrive au sprint, c'est sûr que ce sera lui le leader désigné, quoi. Et c'est bien normal parce que c'est lui le plus rapide. Quoi. Je commencerai au Tour de la Lunder en Australie du coup mi-janvier. Et après du coup j'aurai 3 semaines sans course pour récupérer un peu aussi du décalage horaire, tout ça, et remettre un peu en route. Ce sera soit le Tour d'Algave, soit le Tour du Haut-Var après. Pour l'instant c'est encore un peu à moi de. Enfin, je suis en reprise, j'ai repris depuis 2 semaines, donc c'est un peu en fonction des conditions climatiques, de la forme et puis voilà, de mes envies, et jusqu'au premier stage du coup en Espagne qui sera dans 2 semaines, mais après ce stage là c'est sûr que ça va être un peu plus intensif encore et sera plus défini en vue du Tour de l'Under. Je dois faire un peu tout type de courses, donc des courses plus en France et aussi découvrir encore les courses Pro Tour. Faire un peu des courses type classique pavé ou les autres aussi comme les Ardennaises et aussi quelques courses à étapes. Mais après c'est sûr au niveau objectif, moi il y a une course qui me tient à cœur, c'est le Trobourg-Léon à la maison. Donc après on verra sur quelles courses je pourrais être aligné. Au mieux, j'ai fait deuxième au Tour de Vendée, donc l'objectif c'est de gagner une course en France déjà, ce serait pas mal sur une Coupe de France par exemple. Donc, on verra bien comment évoluera la forme au cours de saison. Ouais, il y en a beaucoup, ma victoire au Challenge National Junior à Jugon-les-Lacs, même le Tour de Bretagne, il y a plein de bons souvenirs, même des courses comme la Ronde Finistérienne quand on peut courir à côté de la maison. C'est plein de bons souvenirs, il n'y en a pas une plus une autre, c'est vrai, c'est tout un ensemble. Je vais aller rouler avec Laurent Pichon, qui habite à côté. Mais après, parfois j'ai aussi un peu plus de spécifiques, donc c'est plus simple d'aller tout seul. Mais c'est sûr que pour les longues sorties, à plusieurs, c'est plus sympa, ça passe plus vite. J'ai hâte de recourir, de refaire des courses. Donc, vivement le mois de janvier, en plus reprendre les courses en Australie, c'est une chance aussi. Donc, voilà. Et il est vraiment très fort et
C'est mon plus grand idole. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Mais ouais. Il est malheureux. Ça serait dur. Parce qu'il est vraiment fort et... Ouais, il est vraiment fort.